ça qui est le fun des fois quand t'es tellement bien avec quelqu'un que t'es pas obligé de jaser avec. OK. On connaît toutes. On l'a l'affaire. Le prix que ça coûte. L'odeur de l'air. Les jeunes astars sont paresseux. Y'a trop de voleurs. Ça manque de peu. Attends ta l'heure. Qu'on pogne le creux. Blocage majeur. Chance que vous étiez là, hein? Parce que sinon, Rogatien serait peut-être mort aujourd'hui. Hein? Ben là, Nancy, franchement. Il m'a sauvé la vie, mais pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Ben oui. S'il avait pas été là pour appeler l'ambulance, tu serais peut-être mort au bout de ton sang. Ben, traite-moi donc de momo, d'un coup parti. Tu fais là, toi. As-tu ça là que si j'ai décidé de pas aller pour l'au-delà, c'est parce que j'ai décidé de pas y aller. C'est un petit peu moi qui s'est accroché à la vie, quand même. Monsieur m'a aidé, je comprends, là. Mais moi aussi. Parce que m'a dit une affaire, si j'étais mort, lui, je le mettais dans le trou, pas à peu près, puis ça, je le savais. Parce que si j'étais mort, tout le monde autour, tout de suite, aurait pensé que c'était lui. OK? Fait que moi aussi, je l'ai quand même aidé un petit peu en ne moulant pas. Hey, Nancy. Quoi? Essaye de deviner qu'est-ce qu'il fait son père dans la vie. Aucune idée. Essaye de trouver. Ben là, dis-moi, les à la place, là. Tu sais, j'aime pas ça, ces petits jeux-là, là. Essaye de quoi, pochette? Essaye à un. N'importe quoi, dis n'importe quoi. Dis-moi les dons, là. Tu sais, je suis pas bonne à ces affaires-là. N'importe quoi. Ah, je sais pas, là. Musicien? Là, quand je t'ai dit n'importe quoi, je voulais pas dire vraiment n'importe quoi, là. Essaye pas vrai, là. Ben, je sais pas, là. Chauffeur de camion? Non, essaye un autre. Informaticien? Essaye un autre. C'est un autre, pas bon. Regarde, je suis tanné de jouer à ça, moi j'ai de l'ouvrage, OK? C'est un autre, un dernier, là. J'ai de l'ouvrage, je te dis, j'ai pas le temps. Un dernier? OK, gars, c'est une casseuse de party. Correct, on va te le dire vu que t'es pas bonne. Son. Dis-y-toi, elle craindra pas. Tu le craindras pas, elle craindra pas. Mon père est architecte. Hein? Architecte? Oui. Ah! Ben tu vois, je l'aurais pas trouvé. Mais franchement, Nancy. Mais c'est qui, là, franchement? Je l'aurais jamais trouvé, c'est tout. Mais là, qu'est-ce que tu pensais qu'il faisait dans la vie, son père? Hein? J'imagine que tu pensais qu'il était chauffeur ou ben non, boss boy ou vidangeur, là, coup parti. Hey, pour une fois qu'il y en a un qui réussit, là, pis qui fait d'autres choses que de voler des radios de char. Hey, je suis extrêmement déçu. Hein? Je pensais jamais que t'étais raciste de même, toi. Moi, raciste? Tu me traites de raciste! Je suis pas raciste pour 5 cents, moi, voyons! J'ai juste pas pensé à dire architecte, c'est tout. T'as pas pensé de dire architecte parce que tu penserais jamais être capable de vivre dans une maison qui a été construite par son père. Ouh. Dis-les donc! Hey, je m'excuse, je serais très, très capable de vivre dans une maison architectée par son père. Mais veux-tu me dire mieux que ça? Je trouve ton petit ami ici pas mal cute. Des fois, Nancy, trop, c'est comme pas assez. D'après moi, ça, ça cache quatre choses. OK? Puis en part de ça, il est trop tard. Ce qui a été dit, t'as été dit. OK? Puis il était là, puis il l'a entendu, puis il t'a vu, puis ton cheval est mort, puis quand même que tu dirais, ah, il est cute, puis papa, puis architecté quand tu voudras, il est trop tard. OK? Le mal est fait. Puis Robert, si tu veux t'en aller, tu vas comprendre ça. Parce que moi aussi, là, si j'étais un. Un comme toi, ben je préférais m'en aller plutôt que d'écouter choses, là, déplatérer des affaires sur mes semblables. De toute façon, il fallait que j'y aille. Bye, Nancy. Salut, Robert, là. Bye, mon Rogatien. Fais attention à toi, là. Puis encore une fois, je m'excuse pour la waitress, là.
Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, là, ça a dû sortir tout seul de même. Moi, il parlait, ça ne se produira plus. Ciao. Merci à toi. Prends un petit refil de café, Nancy, s'il te plaît. Si ça te dérange pas de le prendre noir, j'ai plus de lait. Bon. Bon. Ah ben, j'en reviens pas. C'est toi qui es raciste, pis là, c'est moi le pas fin. Pensais-tu que je le défendrais pas? Le gars m'a sauvé la vie. Tu te louerais un film de Sidney Poitier sur mon bras. OK? Mm-hmm. Bye. C'est ça. Demain. Mm-hmm. Pis en part de ça, là, architecter, c'est pas un verbe. Grosse fin de semaine, mon Johnny. Papi, j'allais voir des morts en exposition, là, au musée dans le Vieux-Montréal. Autour de ma face, toi. T'es allé là quand? Samedi. Asti, autour de là! Samedi quand? Samedi après-midi. Attends là-bas, tu me niaises! Samedi après-midi à quelle heure? 2h30. Asti, j'en reviens pas, j'étais là, moi! Asti, j'étais là! Ouais. Qu'est-ce que tu fais, rendu loin de même, toi? Je prenais pas de chance, là. Je laisse finir de t'apercevoir qu'on était là en même temps. Ah, c'est correct, là. C'est correct, c'est correct. Allez, viens t'asseoir. Hey, dis. Ah, si, j'en reviens pas. T'étais là, j'étais là. Oui, deux. C'est ça. T'étais là, en même temps. Hein? Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'écoute. Hey, dire que c'est du vrai monde comme toi et moi qui sont exposés, c'est assez impressionnant. Pas tant que ça. T'as rien appris? Ouais. J'ai appris que je paierai plus jamais 30$ pour aller voir un cancer de la prostate. Moi, je vais là pour relaxer, là, puis détendre, changer les idées. Pas pour voir ce que je vais pogner d'une couple d'années, là. Rentre-moi donc le doigt dans le cul en rentrant, coup-parti. Y'a rien qui t'a fasciné là-dedans? Oui. Y'a une affaire qui m'a fasciné. Ah. C'est de me rendre compte à quel point le cerveau de l'être humain est petit. Hey, ça pèse à peine 2 livres. 2 livres? Ça, c'est un cerveau de gars, là. C'est pas moi qui dis que le cerveau de la femme est plus petit, là. C'est eux autres, c'est marqué là-bas, là. Mais ça veut pas dire qu'elles sont moins intelligentes, là. Non. Ça veut juste dire que dans certaines choses, elles sont, comme qu'on dirait, plus limitées. C'est comme le stationnement parallèle ou les règlements du football, là. Tu sais, c'est pas la même. Ah, t'es comme moi, j'ai appris plein de choses que je savais pas. Hey, le corps humain, là, c'est une machine extrêmement complexe. Puis moi, ça me fascine. Moi, je veux rester sur ma faim. Il y a plein de questions que j'ai pas eu réponse que je voulais sur le corps humain. Pourquoi plus qu'on a du poil qui nous pousse dans le nez, moi, on en a sa tête? Pourquoi il y a des roues? Pourquoi le monde qui porte des perruques, il pense qu'on s'en aperçoit pas? Moi, il y en a juste une question que je me pose. Comment ça se fait que je te parle encore? Tu dois être en bas de 2 livres. D'après moi, il faut qu'on se mette à 2 pour faire 4 livres. C'est peut-être ça. Asti, j'en reviens pas! Samedi, 2h30, t'étais là! J'en reviens pas. Je n'en reviens pas que t'étais là samedi, 2h30. Mon Asti, tu m'as pas appelé, tu m'as dit ça. Non. Pourquoi tu m'as pas appelé? On s'en lance un! Ouais. Toi, là, des fois, il est... Mon esti. Ah ben, Ron Fournier dans mon taxi! J'en reviens pas! Oh. Hey, vous, là, vous êtes mon idole, là! Vous le savez pas, mais vous êtes mon plus grand fan. Vous, je vous admets tellement, là, pour tout ce que vous faites pour remonter le moral des petits pas fins de la radio, là. Les petits pas fins, quoi, les petits pas fins? Moi, c'est comme ça que j'appelle les gens, ce qu'ils appellent dans les lignes ouvertes, là. Ah, c'est pas bien fait, ça, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, là, vous harlavez le quotient intellectuel des petits pas fins de la radio. Mmh. Parce que Star, avec toi, là, avant de dire une niaiserie en onde, t'as affaire à y penser à 2 fois, parce que toi, à tes ramasses, à pop après. Mais dans le fond, le monde aime ça. Non, mais je ramasse pas tellement de monde, là, parce que les gens qui appellent, là, sont pas mal pertinents dans leurs propos, là. Moi, on est pas mal correct, là. Oui, run. Quoi? Run. T'es trop fin, run. Man. On tente, nous deux, là. Ah, hey, oui. 3 décembre 2006.
3 décembre 2006. Je suis sûr que t'en rappelles 3 décembre 2006. Non, on dit rien. T'en rappelles pas? Non. Hey, moi, je m'en rappelle comme c'était hier, c'est gravé ici. 3 décembre 2006 va être 10h moins quart. Il y a un gars qui t'appelle puis dit Ron, moi, j'échangerais Surrey contre le cavalier. Ouais. Et toi, de lui répondre, et je te cite, Mac. En partant, tu y as dit 5 fois. Pow, il est figé là au bout du téléphone. Il sait que c'est à lui que tu parles en esti. OK? Ouais, OK. Fait que là, tu dis Mac. Non seulement on échange Surrey contre le cavalier, mais en plus, pourquoi on n'irait pas chercher Pronger, Alfredson, Lindstrom, Giger, puis Crosby par-dessus ça? Hey, moi, là, t'es crampé dans le taxi. Le taxi, ça a tout croche tellement je riais. Il m'a dit une affaire, là. Il a fermé le claquet par à peu près. Puis, tu vois, ce gars-là, avant que tu y parles, c'était un petit pas fin de la radio. Puis là, c'était rendu juste un petit pas fin. Parce que toi, là, tu y as enlavé de 3, 4, 5, 6, probablement, son QI radiophonique. Tu comprends? C'est comme 7 janvier 2007. 7 janvier 2007. Ah ouais. Je me souviens pas. Hey, moi je me rappelle, c'était un mercredi. Le gars t'appelle un dénommé Robert. Robert, il t'a dit, Ron, moi je pense que Théodore était meilleur que Patrick Roy à Montréal. Et toi là, tu y as répondu en chantant Mexico de Luis Mariano. Hey, Mexico, je capotais. Vous allez connaître ça, vous connaître l'émission, tout ça, c'est bien le fun. Merci d'écouter, c'est bien gentil. Vous devriez appeler. Gênez-vous pas. Hein? Moi, je suis d'accord avec toi, Ron, là, que je suis bon, mais... Mais moi, ça serait plus derrière le micro. Derrière le micro? Ouais. Si jamais, là, tu veux raccrocher ton micro ou la prostate te lâche temporairement, t'as besoin d'un remplaçant, whatever, là... Moi, je suis ton homme. Moi, là, à m'a répondre à ça, les questions de sport, là, c'est un moyen temps. OK. Tu veux-tu l'essayer? OK. Non, pas vraiment. Non, mais mettons, là, on fait semblant. Non, pas c'est une bonne idée, ça. Juste pour que tu vas pouvoir me tester. Tu veux m'engager. Parce que moi, en plus, je m'appelle Rogacier, mais tu m'appelles Rog. C'est presque pareil que Rog. OK, OK. Moi, c'est, mon nom, c'est Rogacier. OK, c'est bon. Fait que, ça pourrait être les amateurs de sport avec Rog. Ah, hein, c'est bon. En remplacement de... Ron. Ah. Ça marche, là. Ça fonctionnerait, ça. Tu comprends? Ça fonctionnerait. Fait que, veux-tu essayer? Non. Ah ouais, come on. Wait a minute. J'ai pas bien la tête à ça. Je veux pas être impoli, rien. Mais... Voyons, Ron, t'as tout le temps la tête à ça. T'as pas la tête à ça, puis t'as la tête à ça. Toi, il te brainwasherait le matin, puis à midi, à l'heure du lunch, tu serais en train de sauter une coche parce que Kovalev a une fiche de moins, toi. Pas la tête à ça. T'as tout le temps la tête à ça. Bon. C'est les. Oui, donc. OK, attends une minute. Salut, Ron. Moi, je pense que le Canadien va remporter la Coupe Stanley. OK, oui, cette année, oui. Repêchage, on fait super plate, ça, comme question. Là. On va repartir, là. Je vais te mettre plus en situation, OK? OK. Salut, vous êtes en long, les amateurs de sport, avec Rag, en remplacement de Ron. Ouais. Avez-vous une question? Je vous écoute, mais avant, bien, ce sont de la radio, pas que ça fasse des sons bizarres. Ouais. Hein? Elle est bien. C'est bon. C'est parfait. Là, tu peux y aller avec ta question. OK. Quand tu peux. Salut, mon nom, c'est Philippe. Les bagarres dans la Ligue nationale, ça a sa place parce que Chris Knight. C'est quoi, là, ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Philippe. La fin intellectuelle, Philippe. Comme nom, un peu. Voyons, il n'y a jamais un autre Philippe qui t'a appelé. J'ai déjà eu un Philippe qui l'a appelé. Voyons, là. Il n'y a jamais eu de Philippe. Il fait des années que je l'écoute, il n'y a jamais eu un Philippe. T'as dit qu'il n'y a jamais eu un Philippe. OK. T'es vraiment pas dedans aujourd'hui, hein? Je sais pas qu'est-ce que t'as pas dans ton assiette. Je reconnais pas mon Ron Fournier de d'habitude avec toute son énergie et toute la quête, là. Peut-être eu un, il a appelé sur le pain. Regarde. Quoi? Tu devrais juste... Si tu veux devenir une bonne personne pour appeler des lignes ouvertes, là, commence par la base. Là, tu vas aller trop vite, là, t'sais, avec les questions et tout. C'est quoi la base? La base, c'est... Hey! Bravo pour ton émission. Ouais. Tu comprends? Oui. Ça, c'est bon. En faisant ça, tu vas chercher l'animateur de son respect. Puis là, après ça, tu peux poser ta question. Ouais. On va faire 12 et 70. Oui, monsieur. Garder la monnaie, pas de problème. Oh, wow, merci. Si jamais, je veux prendre des vacances, je veux savoir qui appeler pour me remplacer à la radio. Êtes-vous sérieux? Mexico.
Pour les chauffeurs d'un taxi. La 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 la. Ça, c'est ma fille. Là-dessus, elle a 8 mois. C'est la même que l'autre avant? Oh, oui. Ici, ça, c'est ma femme et moi, sur le bord de la piscine. Hi, elle est grosse. La piscine? Aussi. T'as des belles Tiens, vacances. Robert. Bon appétit. Merci, Nancy. Mange-le, on checkera ton jambo là-bas après. Regarde, je pense qu'il est en train de s'étouffer. Mais fais quelque chose! Ça, c'est pareil comme quelqu'un qui est en train de se nayer. Tu t'en vas pas te nayer avec pour l'aider, là. Tourne. Oui, non, je sais, je sais. Tourne, tourne. Ben. Et attention, ça va donner un petit coup. Oh, c'était beau un petit peu, ça, je pense. Dépêche-toi donc, il est en train de mourir. Attends, j'essaie de me rappeler c'est où, là. Ah ouais! Je pense que tu l'as débloqué, là. Ça va-tu, mon petit homme? Oui, ça va. Regarde, tu m'as sauvé la vie. Parle plus fort, je t'entends pas, là. Tu m'as sauvé la vie. Mais Zach, tu y as sauvé la vie, là. Il est en train de s'étouffer avec ta saucisse. J'y ai sauvé la vie. Mais certain! J'y ai sauvé la vie! Ben oui! J'y ai sauvé la vie! Je t'ai sauvé la vie! Tu m'as sauvé la vie! Je t'ai sauvé la vie! On s'est sauvé la vie! On se doit plus rien! Merci, bonsoir! Je vais prendre de l'air. Va prendre toute l'air que t'as besoin. OK? Prends-la toute. Ouais. À bientôt. Merci, mon Dieu. Je suis libre. Mais Rogatien, t'es un sauveteur. Dire que j'étais juste venu manger un morceau de gâteau calotte. Ça change-tu vite la vie? Hein? A bing, bang! Pouf! Asti, gâteau calotte! Gâteau calotte! Hey, Pan! Hey! Merci d'être me chercher. Ben oui, on sent moins des choses. Moi, ça, là. Ben, ça va, toi? Tu parles bien, toi? Ta blessure au cou? Ben, c'est pas si pire. On va laisser une cicatrice de même, là. Pas bien grave, les femmes aiment ça. Ben, les gars aussi. Ah oui. Puis, comment ça va, l'entraînement pour Vancouver? Ben, ça va super bien. Surtout que là, Mark et moi, on est déménagés. On s'est trouvé un petit logement près de l'aréna où je m'entraîne, et c'est plus pratique. Mark, c'est ton coloc, ça? Ben... On en a déjà parlé. Mark, c'est mon chum. Ah, ouais, ouais, ça... Ah, ça me dit quelque chose, là, ouais. Pis toi? Ah, ben, moi. Je suis pas comme toi, parce que sinon, je t'aurais pas eu. Ah, je veux dire, toi, es-tu toujours célibataire? Ouais. Mais ton père n'est pas encore rentré chez moi, par exemple. Oh, no, no, no. Je te dis que c'est ainsi, je rencontre de la petite demoiselle et de tous les genres à part là-dessus. T'as pas encore rencontré la femme de ta vie? Non. Parce que pour ça, mon gars, faut être patient. Fait que toi, avec, tu devrais être patient, parce que peut-être que si tu rencontres la femme, tu guérirais. C'est pas une maladie. T'es-tu bien sûr de ça, là? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ça, là, avoir une maladie psychologique mentale. J'ai pas de maladie mentale, pas je suis gay, c'est tout. C'est comme vous autres. Le soir, on écoute des films collés, on se donne des petits becs de temps en temps. Après ça, on s'en va se coucher, puis... OK, oui, 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 oui. C'est beau. T'es en train de mettre des images là-dessus, là, puis je veux pas être pogné avec ça, là. Ben, franchement. Maman te fait dire bonjour. Puis elle s'est demandé si le chèque... Tu diras à ta mère qu'elle mange de la marde, de ma part, d'abord. Deuxièmement, qu'elle va avoir son chèque quand elle va me shipper mon chapeau de pêche qui est parti à Calgary avec. Et là, ça fait 8 ans, tout ça. C'était mon chapeau de pêche chanceux. J'ai jamais pogné une autre truite de 12 pouces depuis que j'ai plus ce chapeau-là. Puis ta mère, elle le sait. Puis des fois, elle fait assez près pour me faire chier.
excuse-moi, là. Tu vois comment c'est tough, des fois, les femmes, là, des fois, là, c'est tough, là. Sais-tu quoi? T'es quasiment chanceux d'être malade. D'être gay. Bon. Tu vois, t'es capable de le dire, le mot? Ça n'a pas fait mal? Un petit peu, quand même. Je pense que ça a tiré dans la cicatrice. Suivant avec le 22. Merci. J'en prends un autre. C'est sur mon bras, gâteau carotte. Asti, gâteau carotte! La semaine prochaine, dans mon char... Hey! J'étais un exemple pour la femme, un modèle à suivre. Voyons donc. Pensez pas que la petite grosse à brassard n'est pas mieux de s'inspirer de vous plutôt que de Denise Bombardier.